On parle d'aïkido traditionnel quand il y a une filiation de transmission de compétences et d'enseignement de maître à disciple. Le fonctionnement d'un art n'a rien à voir avec le fonctionnement d'un sport et les objectifs sont complètement différents. Dans un art, on s'intéresse à la discipline, on tend vers la perfection sans jamais l'obtenir et on va toujours remettre en question ce qu'on sait, on va toujours essayer d'évoluer. Dans un sport, vous avez les minimes, les cadets, les juniors, les seniors, vous avez les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Dans un art, comme vous le constatez derrière moi, il y a tout public. Il y a tous les âges, il y a tous les sexes, il n'y a pas de champion, on s'en fout complètement. Au contraire, on ne revendique pas l'ego. L'ego est un problème et on cherche à le maîtriser, alors qu'en sport, tout le monde cherche à affirmer son ego et on a des problèmes d'ego en permanence.